Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur France 2 pour une nouvelle émission que nous consacrons aujourd'hui à un personnage fondateur et central dans le bouddhisme zen, puisqu'il s'agit de Bodhidharma. Ce fils d'un roi brahmane du sud de l'Inde partit très âgé pour la Chine et y introduisit le zen. Ce personnage quasi légendaire, car on ne sait que très peu de choses de lui, se démarque, comme nous le verrons, par une transmission spéciale en dehors des écritures pour révéler directement à chaque homme son essence ultime. Alors, qui était plus précisément Bodhidharma? Que sait-on de sa vie? En quoi s'est-il démarqué des écoles du bouddhisme? Et enfin, quel est son héritage? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invité, Taikan Jyoji. Taikan Jyoji, bonjour. Bonjour, Aurélie. Alors, vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition zen depuis 1968. Vous êtes l'un des premiers occidentaux, d'ailleurs, à avoir vécu de nombreuses années dans un monastère au Japon, où vous avez reçu la transmission, et vous êtes le fondateur du centre de la Falaise Verte, c'est donc en Ardèche, et représentant du Zen Rinzai rattaché à Myoshinji pour l'Europe depuis votre intronisation officielle par Yamada Mubon Roshi en 1976. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qui était Bodhidharma? Alors, comme vous l'avez dit, on ne sait pas grand-chose de lui, en fait. Il est soit venu du sud de l'Inde, soit de Perse. Mm-hmm. Et il est arrivé en Chine et il s'est débrouillé un petit peu avec ce qui existait déjà à l'époque, le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. Donc, il s'est initié à ces différentes pratiques jusqu'au jour où il a décidé de s'enfermer dans une grotte. On a une très belle calligraphie ici. Hein. Est-ce que c'est justement une calligraphie qui représente Bodhidharma dans sa grotte? Tout à fait. On représente toujours Bodhidharma avec de grands yeux parce qu'il n'était pas asiatique. Et puis aussi, pour une autre raison, il est resté 9 ans dans cette grotte en ayant défini comme principe d'arriver à l'éveil, à la réalisation de soi. Et lorsqu'il s'endormait, assis les jambes croisées, il n'était pas content de ça. Alors, à un moment donné, il s'est arraché une paupière, puis la deuxième, et il les a jetés devant lui. Comme ça, il n'avait plus l'occasion de fermer les yeux, donc de ne plus s'endormir. Très bien. C'est très fort. C'est très fort. Alors, précisons quand même, parce qu'on ne l'a pas dit, hein, qu'on situe la vie de Bodhidharma entre 470 et 543 de notre ère. Alors, en quoi est-ce qu'il s'est démarqué des autres écoles du bouddhisme? Dans les différentes écoles que je citais, confucianisme, taoïsme, etc., beaucoup de pratiques dévotionnelles avaient lieu, beaucoup de prières, beaucoup de rituels. Et il pensait, lui-même a pensé ou senti que ça servait à rien, ou en tout cas pas à grand-chose. Et que ce qui était important, c'était d'arriver au fond de soi-même. D'aller tout droit, comme vous dites. D'aller tout droit. Ouais. Voilà. Donc, il a rejeté un peu tout ça. Et c'est dans ce sens qu'il s'est démarqué des autres écoles spirituelles. Du bouddhisme. Ouais. Alors, on pourrait résumer son enseignement aussi peut-être à travers 3 phrases qu'il aurait énoncées. Et j'aimerais qu'on les commente une par une. Oui. Donc, une transmission spéciale en dehors des écritures, aucune dépendance à l'égard des mots et des lettres, et voir dans sa véritable nature et atteindre l'état de Bouddha. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire par là? La lecture d'ouvrages permet d'accumuler de la connaissance. On peut savoir beaucoup de choses sur le zen, sur le bouddhisme, sur la spiritualité, mais ça ne veut pas dire qu'on a réalisé sa véritable nature.
sans dépendre des mots et des écritures, mmh. arriver à l'éveil. C'est ça. Réaliser sa véritable nature, c'est voir le fond de soi-même. Mmh. Voir le fond de soi-même tant qu'il y a des pensées qui viennent perturber cette tentative d'accéder au fond de soi-même, bien, on ne le verra pas. Donc, voir dans sa véritable nature contient l'état qu'on appelle samadhi, mm-hmm. qui est la non-pensée. Mm. Alors cet état, justement, on y arrive en pratiquant zazen. Hein, c'est ce qu'a aussi, fait Bodhidharma. Oui, le zazen est un outil pour arriver à cet état. Alors justement, ce qui est au cœur du zazen, c'est la respiration, qui est vraiment oui. essentielle. Hein. Absolument. La respiration, dès lors qu'elle se fait sans qu'on ait à décider d'inspirer ou d'expirer, nous échappe complètement. Si vous décidez de courir, les respirations s'accélèrent, mais vous n'avez pas besoin de vous dire « il faut que j'accélère mes respirations ». Et le fait que les respirations ont une si grande importance, on ne sait pas ce qu'il faut faire avec. Et pourtant, c'est l'outil, toutes les disciplines à partir de l'hindouisme, du confucianisme, du taoïsme, qui existaient déjà avant le bouddhisme en Chine, contiennent des exercices respiratoires. Oui, c'est le dénominateur commun pardon, à toutes ces traditions spirituelles. Absolument. Hein. Ce qui n'existe pas chez nous. Les Grecs, avec les philosophes de l'ancien temps, ont enseigné comment structurer la pensée. Mm. Mais l'Asie a enseigné comment structurer la respiration. Dans le yoga, par exemple, il existe de nombreuses techniques de respiration, ce qu'on appelle les pranayamas. Mm-hmm. Et les postures, c'est la même chose. Les asanas, il en existe de nombreuses. Alors Bodhidharma, lui, il a été au plus simple. On s'assied les jambes croisées et on se concentre sur ses respirations. Dans ce sens, la pratique du zen, c'est une respiration unique avec une posture unique. Alors, finalement, donc Bodhidharma est le premier patriarche. Oui, premier patriarche du Chan. Du Chan, voilà. On va voir un petit peu comment cela a évolué par la suite, hein, son héritage. Mais j'aimerais que vous nous racontiez sa rencontre avec avec son disciple, en fait. Voilà. Alors, on a su qu'il y avait un grand maître qui méditait tout seul dans une grotte. Alors, il y a un jour, un futur illuminé. Un futur éveillé. Voilà. Qui est allé devant la grotte de Bodhidharma en attendant un enseignement, un encouragement, un mot. Et il était assis dans la neige jusqu'à la taille. Mais rien ne venait de Bodhidharma. Alors, il s'est coupé le bras. Méthode radicale. Complètement. Et puis, il l'a présenté à Bodhidharma. Et Bodhidharma a répondu à cette présentation. Tu m'as amené ton corps, maintenant amène-moi ton esprit. Et là, l'élève a dit, mais je l'ai cherché longtemps, je ne l'ai pas trouvé. Là-dessus, Bodhidharma a dit « J'ai pacifié ton esprit pour toi. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chercher l'esprit, c'est mission impossible, parce que l'esprit, il est intouchable. Il est... Insaisissable. Insaisissable. Donc, vouloir chercher l'esprit, c'est
ne pas réussir à le trouver d'emblée. Alors, pour conclure cette émission, Daikan Joji, justement, un petit mot sur les différents autres patriarches qui ont prolongé justement cet enseignement de Bodhidharma. Et il y a eu 6 patriarches du Zen à partir de Bodhidharma. Mm-hmm. Et c'est le dernier, Huineng, qui a fait que le Chan, donc le Zen, s'est propagé en Chine, pour commencer, puis après est allé en Corée, et le Chan s'est appelé Chen, et après de la Corée au Japon, s'est appelé Zen. Voilà comment s'est passée la transmission, qu'on appelle la transmission de la lampe, et de la lumière. Ah, de la lumière. Mmh. Justement, moi j'aimerais qu'on termine cette émission en revenant à Bodhidharma et à cette très belle calligraphie. Qu'est-ce qui est inscrit dessus, Daikan Joji? Oui, alors ça c'est très important. Ça veut dire 7 fois tu tombes, 8 fois tu te relèves. Donc l'échec, il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui va nous faire tomber seulement. Il faut aussi que ça soit l'occasion de rebondir. Est-ce que vous-même, il y a une parole de Bodhidharma qui vous touche particulièrement ou un aspect de sa personnalité qui vous a particulièrement ému? Écoutez, je ne sais pas si c'est légendaire ou pas, mais pour moi, le fait de s'être arraché les paupières, c'est très fort. C'est vraiment aller au-delà de l'abnégation. Ensuite, ne pas réagir au disciple qui lui amène son bras, c'est faire preuve d'une grande réalisation intérieure. C'est-à-dire qu'il a été au-delà même de la souffrance et de la douleur pour ensuite continuer le cheminement de la réalisation de soi en allant tout droit. Oui, c'est comme ça, voilà, qu'on pourrait résumer cet enseignement. Une dernière petite question, c'est vous-même qui l'avez réalisé, cette calligraphie? Et non, c'est une calligraphie de mon maître qu'il m'a donnée lorsque j'ai quitté le monastère. Au Japon? Au Japon. Merci en tout cas énormément et infiniment, Daikan Joji, de nous l'avoir amené. C'était un très très beau cadeau. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques pistes de lecture que nous vous proposons. Avec tout d'abord 2 livres de notre invité. Le premier publié chez Almora, Promenade au bord du vide, les non-pensées d'un maître zen. Il s'agit du 5e volume du journal de Daikan Joji, qui s'étend d'avril 2016 à octobre 2018. Vous y retrouverez le récit d'une vie ancrée dans la pratique du zen, jour après jour. Daikan Joji nous raconte ici les enseignements donnés dans des retraites, mais aussi des commentaires de maîtres de sa lignée, étayés par des récits de voyage ou encore des haïkus. Ainsi que Kyudo, Tir à l'arc zen, publié au courrier du livre, un ouvrage passionnant qui présente de manière très claire cette voie du tir à l'arc. Daikan Joji revient ici sur les différentes phases du tir grâce à la conduite du souffle et à la concentration sur le hara qui font viser une nouvelle harmonie entre le corps, le cœur et le mental. Et enfin, Entretien de l'INSEE traduit du chinois et commenté par Paul de Miéville, publié chez Fayard. Il s'agit de la première traduction mondiale d'un recueil d'entretiens et de sermons de l'un des plus célèbres maîtres Chan vers la fin de son âge d'or en Chine à l'époque des Tang. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France.tv. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.